Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire consacré à l'utilité des livres, des débats et de la recherche en histoire. Aujourd'hui, 9e volet des épisodes consacrés à l'histoire de Tintin et à l'œuvre d'Hergé dans l'histoire. Une émission un peu différente des précédentes dans laquelle on va s'interroger sur les façons dont Tintin tend un miroir aux chercheurs au monde de la recherche en sciences humaines à travers les scénarios, les professions envisagées d'égyptologues, d'archéologues, etc. en compagnie de Mathieu de Oliveira. Une émission donc qui plaira peut-être davantage aux tintinophiles puisqu'on va passer beaucoup de temps à commenter différents albums et différentes cases de l'œuvre. Vous nous retrouvez sur le site parolehistoire.fr avec toutes les autres émissions, également sur les réseaux sociaux. Très bonne écoute. Je suis aujourd'hui avec Mathieu de Oliveira, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Lille et Tintin fait partie des choses qui vous intéressent, même si votre spécialité c'est plutôt le monde du travail, l'archivistique, le rapport aux documents. Et justement, à travers cette question des documents, eh bien, on a essayé ensemble de préparer une émission dans laquelle on envisage le monde de la recherche dans Tintin. On pourrait appeler ça Tintin au pays des sciences humaines. Alors peut-être pour commencer, on peut dire à ceux et celles qui nous écoutent pourquoi. Puisque quand on lit Tintin, on lit évidemment un récit d'aventure avec beaucoup de rebondissements et parfois des choses très physiques, des véhicules, des bagarres, etc. Mais finalement, c'est aussi une série d'albums dans laquelle il y a beaucoup de réflexions et même, on pourrait presque dire, de travail de recherche. Pourquoi ? Tout à fait. En fait, ce qu'on voit, c'est que Tintin, il est quelqu'un qui est d'abord et avant tout un reporter. En tout cas, c'est comme ça qu'il se présente. C'est donc quelqu'un qui fait du terrain, mais en même temps qui est confronté assez régulièrement à des énigmes, à des problèmes qui nécessite un petit peu de réflexion et qui suppose qu'il pose des hypothèses, qu'il manipule un certain nombre de documents ou en tout cas d'éléments pour finalement essayer de trouver une solution. On est vraiment là dans un processus qui est assez proche de celui de la recherche en général et de voir un peu comment est-ce que il réussit à articuler action, qui est véritablement l'élément fort des aventures de Tintin, confrontation avec le terrain et comment ce terrain peut être aussi un élément de réflexion et de dévoilement de ce qui peut apparaître comme inaccessible dans un premier temps. Alors, je me suis même demandé, en relisant les albums, dans quelle mesure il n'y avait pas un certain nombre de vocations de chercheurs qui avaient pu naître dans l'enfance en lisant Tintin et en voyant Tintin pencher avec une loupe sur des documents. C'est quelque chose qui est finalement très, très présent. Et sans doute, l'album par lequel on peut commencer, dans lequel c'est le plus marqué, c'est Le Sceptre d'Ottokar, qui est donc une aventure publiée avant-guerre et qui est marquée de plein de manières différentes par la question de la recherche. C'est même un point central de l'intrigue. Tout à fait. Plus largement, je pense qu'effectivement, une grande partie d'entre nous a découvert ce qu'on appelle la sigillographie grâce à Tintin. Autant on avait peut-être croisé à un moment ou à un autre de nos lectures ou dans un album illustré des sceaux, mais savoir que c'était finalement une science à part entière, c'est sans doute auprès de Tintin qu'on l'a découvert le premier. Et effectivement, Le Sceptre d'Ottokar, c'est l'un des albums qui est les plus emblématiques de cette idée. Comment est-ce qu'il est confronté à un enjeu très fort hein ? Est-ce que le roi Ottokar va rester sur le trône ? Mais en même temps, il va résoudre ça grâce à des sciences, grâce à des recherches, grâce à la façon dont il peut mobiliser sa capacité d'éduction. Et effectivement, Le Sceptre d'Ottokar, c'est sans doute celui qui est le plus emblématique de ce côté-ci. Alors, dans Le Sceptre d'Ottokar, il y a donc le professeur Alambic, sigillographe, qui explique gentiment à Tintin de quoi il s'agit. Et on voit d'ailleurs qu'il a lui-même une superbe collection de sceaux qui, je pense, ferait l'envie de pas mal d'instituts de recherche ou de bibliothèques, puisque si on regarde la case de l'album concerné, il y a des choses de grande qualité du Moyen-Âge. Tout à fait. Alors, en même temps, il y a une espèce de petit jeu de Tintin ou de Hergé. Hein. Je renvoie donc à la fin de la page 2, où on voit la grande vitrine où il y a tous les sceaux. On voit qu'il y en a beaucoup, mais on ne les voit pas du tout. On voit qu'il y en a sur le mur, mais on ne peut pas les détailler. Le seul qu'on détaille, effectivement, c'est celui qui va véritablement faire le cœur de l'album, c'est celui d'Ottokar avec son pélican, et c'est le seul qu'on voit vraiment. Mais effectivement, on apprend un certain nombre de choses. On voit comment est-ce que c'est organisé, on voit ruban en soie, on voit le morceau de papier sur lequel il est associé, et puis évidemment, on voit toute la partie en cire, avec le dessin, avec à la fois cette association entre la partie figurée, ici le pélican, et puis l'écu, et puis la partie texte qui tourne autour. On retrouve tous les éléments ici de la sigillographie, et puis plus largement, il lui explique que, au début de la page, qu'il y a un intérêt qui n'est pas que le sien, hein, mais un intérêt international, puisqu'il existe une société, une fédération internationale des sigillographies, tous ces gens qui finalement se passionnent pour cette affaire. Alors j'ai regardé, la Fédération internationale de sigillographie, elle n'existe pas, hein, en tout cas pas sous
ce nom-là. En revanche, depuis 1937, et donc on est ici à peu près au même moment, qui est celui de la parution de l'album, il y a la Société française d'héraldique et de sigillographie, on reviendra un peu plus tard sur l'héraldique, qui est fondée à Paris en 1937 et qui réunit donc l'ensemble de ceux qui, sur le territoire national, sont fascinés ou en tout cas très intéressés par cette affaire. La sigillographie motive même un voyage de recherche. Alors, on ne sait pas exactement comment le professeur Alambic est financé, s'il appartient à un institut, s'il est un chercheur indépendant, autonome, mais on se rend compte qu'il a quand même les moyens de faire ses recherches. Beaucoup de collègues aujourd'hui pourraient lui envier, puisqu'il peut se déplacer pour un séjour de recherche dans un pays lointain. Il peut emmener Tintin en tant que teaching assistant, on pourrait dire, ou research assistant, qui va faire les réservations pour lui, qui va s'occuper un peu de la logistique. Et du coup, ce voyage de recherche l'amène dans une salle d'archives et l'amène à consulter des archives. Alors, il y a notre collègue Sonia Dolinger qui a écrit un billet de blog sur le site Archives et Pop Culture pour analyser ces scènes qui, effectivement, sont très parlantes quand on s'intéresse évidemment aux documents anciens qu'on a déjà travaillé sur des archives. Tout à fait. Alors, on voit bien comment est-ce qu'il est finalement ici associé à un processus qui vise à justement aller sur place voir le document original. Ça fait partie des attendus de la fonction et de la recherche historienne. Évidemment, on ne peut pas lui envoyer les documents, c'est donc lui qui se déplace. Si on regarde bien, il semblerait qu'il ait été invité par la SILDAVI, ou en tout cas par une instance SILDAV pour venir regarder plus précisément les documents. Et puis, l'objet même de sa visite, c'est d'aller vérifier ou en tout cas consulter les documents là où ils sont conservés, c'est-à-dire en fait une espèce de décalque de la Tour de Londres, hein, soyons clairs. C'est en termes d'architecture, en termes de costumes des gardes, on retrouve un certain nombre d'éléments qui sont assez comparables, même s'il y a une dimension folklorique dans le costume SILDAV. Et puis surtout, il y a la dimension de conservation, enfin lieu de conservation des bijoux de la couronne. Dans la grande salle, il y a la couronne du roi Ottokar et il y a son sceptre. Et puis juste à côté, on le voit bien dans la case qui est ici mobilisée, il y a les archives. Et c'est là qu'on vient lui proposer d'aller les regarder. Alors, il y a encore une fois, là, il y a un ensemble de prescriptions fortes. Je lis la bulle. Voici la salle des archives qui communique avec la salle du trésor. Vous voudrez bien nous excuser, mais deux gardes vous tiendront compagnie tout le temps que vous resterez ici. De plus, les portes resteront fermées à clé de l'extérieur. C'est le règlement qui l'exige. J'espère que cela ne vous gênera pas trop. Et réponse d'Alambic, pas le moins du monde. Voilà, ça fait partie des prescriptions pour protéger les documents, a fortiori les documents qui sont à la fois anciens et qui ont ici une importance à la fois politique et géopolitique forte, qui justifie qu'on travaille dans ces conditions-là. Et on voit dans la case d'à côté qu'il consulte des documents. Alors, on ne sait pas trop bien si c'est des documents imprimés ou un recueil de documents manuscrits, mais sous le regard scrutateur des deux gardes armés de leur hallebarde juste derrière. Oui, ils ont plus un côté effectivement cerbère que véritablement conservateur. Enfin, ils ont peut-être une formation archivistique, on le sait pas, Hergé ne le dit pas. Et effectivement, on voit Alambic qui a la posture caractéristique du chercheur, une loupe à côté de lui, un carnet de notes, quelques volumes, sa serviette négligemment posée sur la table de travail, et puis le volume bien à plat pour ne pas abîmer la reliure, manipulant avec précaution. Là, on a vraiment quelque chose qui est emblématique. On pourrait voir cette scène aujourd'hui à Salle Richelieu à la BNF, presque à l'identique. Tout à fait. Alors, si on continue à regarder vraiment précisément les choses, hein, un morceau de papier, évidemment pas un carnet ou un cahier, et puis un petit crayon plutôt qu'un stylo, encore qu'on le voit assez peu, mais en tout cas les éléments qui lui permettent de reporter les informations qu'il aurait recueillies dans sa recherche et de les remporter chez lui à la fin. Alors dans l'album, il y a un passage clé qui renvoie là aussi à des questions qui se posent bien souvent dans les salles d'archives, c'est la question de la reproductibilité des documents et de la photographie possible des documents. Alors évidemment, ça joue un rôle dans l'intrigue, mais ça renvoie aussi à de véritables règles et parfois des dilemmes pour les métiers de la recherche et de la conservation. Est-ce qu'on peut photographier des documents? À quelles conditions? C'est aussi un aspect de l'album. Tout à fait. Alors là, encore une fois, on est dans la deuxième moitié des années 30. C'est évidemment beaucoup plus compliqué que ce qu'on peut rencontrer aujourd'hui où, en gros, chacun de nous fait ses propres photographies. Mais ceux qui ont commencé la recherche il y a 25, 35 ou 40 ans se rappellent que on était dans des conditions qui sont assez proches de celles d'Alambic, c'est-à-dire qu'on recourt à quelqu'un d'autre pour faire la photographie dont on a besoin. On appelle un professionnel ou on paye un professionnel pour faire ça. On ne peut pas le faire soi-même. Mais effectivement, c'est un des moyens de capter au sens propre et au sens figuré, l'ensemble du document, de se l'approprier, de le remporter chez lui, dans sa matérialité ou en tout cas dans son organisation effective et non pas
dans une reproduction, ou en tout cas la collecte seulement de petites informations qui seraient utiles à son examen. Mais là, on retrouve bien le recours à quelqu'un d'autre. Donc, c'est un photographe qui vient ici avec son trépied photographier les différents éléments et qui mettrait à disposition les photos du professeur Alambic. Comme l'intrigue tourne autour de cette question des sceaux et qu'il y a une dimension médiévalisante dans l'évocation de la scie de la vie, du sceptre, du sceau, etc., eh bien, il y a d'autres éléments qui renvoient au Moyen-Âge et qui renvoient aux sciences auxiliaires de l'histoire qui s'y intéressent. En particulier, l'héraldique a aussi sa place dans l'album. Tout à fait. L'héraldique, c'est donc la science des blasons, ou en tout cas des armes parlantes. Alors, on les retrouve de plus ou moins directement dans le volume, et c'est surtout dans la toute dernière page qu'on retrouve ici l'héraldique, en tout cas le blason, les armes de la scie d'avis. Alors, je ne suis pas très très fort en héraldique, mais j'ai regardé un petit peu comment ça fonctionnait. Ici, on a bien donc un blason écartelé avec les quatre quartiers qui se répondent avec d'une part le pélican noir et d'autre part les croissants. Alors, ça renvoie à une autre dimension ici intéressante qui est celle de la géographie, en quelque sorte, de la scie d'avis qui est au contact des mondes ottomans, voire musulmans et des mondes occidentaux et chrétiens, ce qu'on retrouve d'ailleurs un peu plus haut dans le discours, en tout cas dans la présentation qui en est faite, lorsque Tintin essaye de se renseigner sur ce que c'est que la scie d'avis dont il n'avait visiblement jamais entendu parler et qu'il lit, ça fait partie des épisodes où il est véritablement acteur de sa recherche, il lit l'histoire un peu romancé, ou en tout cas l'histoire, le roman national sildave, qui renvoie ici à cet élément. Et donc, il y a la fameuse bataille de Zile-Érum au XVe siècle, et on voit très clairement qu'il y a ici une dimension d'affrontement entre l'Est et l'Ouest, entre le monde chrétien et le monde musulman, qu'on pourrait retrouver par exemple du côté de la Serbie ou du Monténégro ou encore de l'Albanie actuelle, dans cette mythologie. Et donc on retrouve ici dans l'héraldique sildave les différents éléments qui sont proposés. Et puis au-delà, on retrouve d'autres éléments qui sont marquant de l'héraldique. On retrouve évidemment le sceptre de Tokar qui est au cœur de l'affaire, la main de justice qui est en pendant, le heaume surmonté de la couronne, donc tous les éléments finalement qui incarnent l'autorité, et puis la devise sildave, en tout cas présentée comme telle, devise sildave, Eik Benek Eik Blavek, qui s'y frotte, s'y pique, ai-je lu, mais on en a également une autre version, c'est plutôt « j'y suis, j'y reste », mais enfin, l'idée est quand même la même, il y a cette dimension d'incarner le pouvoir et de l'occuper. Là, on songe évidemment aux références possibles d'Hergé. Dans une précédente émission avec Benoît Peters, on avait évoqué son attachement à la monarchie belge, et donc il y a sans doute quelque chose de cet ordre-là qui passe dans l'album. Et puis, cette idée d'une devise comme ça, entourant les armes, ça se trouve aussi sur, par exemple, dans la monarchie britannique. Donc voilà, on voit à quelle source... Qui mal y pense n'est pas voilà, très loin. On y soit qui mal y pense, qui s'y frotte s'y pique, on peut penser qu'il y a là quelque chose de l'ordre du clin d'œil ou de l'inspiration chez Hergé. Qu'est-ce qu'on peut dire du professeur Alambic, non pas du point de vue de son travail, mais du point de vue de la représentation des savants qu'on trouve dans l'œuvre d'Hergé, sachant qu'on fera une émission également, on va essayer en tout cas sur les sciences dites dures, donc on va laisser de côté peut-être les physiciens, les médecins, etc. Mais il y a un certain nombre de savants dans l'œuvre d'Hergé qui ne sont pas toujours représentés, disons, de manière parfaitement positive. Le professeur Alambic lui-même, il a un certain nombre de défauts, alors accentués dans l'album parce qu'il y a son double maléfique, évidemment, qui le remplace, mais c'est un personnage qui n'est pas idéalisé, on pourrait dire. Non, absolument pas. Alors, la première dimension qui est immédiatement repérable, et puis c'est le cas avec la quasi-totalité des scientifiques d'Hergé, c'est qu'ils sont très vieux, hein, globalement. Enfin, en tout cas, ils portent sur eux les marques du temps. Ils ont de longues barbes blanches, et c'est plus le blanc que la barbe ici qui fait la différence, on est bien d'accord, mais ce sont des personnes qui ont visiblement été blanchies par l'étude. C'est des personnages également qui sont plus ou moins chevelus, en tout cas qui ont vu leur calvitie augmenter avec les années. L'autre élément, mais ça c'est assez classique, hein, c'est les lunettes. De fait, on a ici les éléments caractéristiques de celui qui se livre à l'étude pendant très très longtemps. Et puis pour le professeur Alambic, alors je ne reviens pas sur son nom ou sur le nom qui lui a été choisi, parce que finalement c'est quelque chose d'assez classique chez Hergé, hein, il y a comme ça un double sens. Et l'autre élément, alors en particulier pour notre ami Alambic, c'est sa distraction totale. C'est quelqu'un
quelqu'un qui visiblement est complètement investi dans sa recherche et qui ne pense qu'à ça, il n'est d'ailleurs pas le seul, hein. Mais visiblement c'est la seule chose qui lui importe, au point qu'il en a oublié sa serviette lorsque Tintin vient lui rapporter, et que même lorsque Tintin rentre dans la pièce, il le prend pour sa gouvernante ou la concierge, Madame Pirotte, sans pouvoir être en mesure de la reconnaître, ou en tout cas de faire attention à la personne qui rentre. Alors, ça renvoie aussi au fait qu'il est sans doute myope et que derrière lui, il ne voit pas très très bien ou un petit peu plus difficilement, mais c'est surtout que ça ne l'intéresse absolument pas. Et donc, ces différents éléments font que c'est quelqu'un qui apparaît, ou qui est représenté en tout cas, comme complètement investi ou complètement tourné vers son intérêt de recherche, vers sa préoccupation de recherche, et absolument pas en prise avec le monde réel, ou en tout cas le monde extérieur. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve avec d'autres figures, le professeur Cyclone dans Les Cigares du Pharaon, qui court après un parchemin au risque de tomber à l'eau, ou également les savants, on va reparler de ces albums qu'on trouve dans les 7 boules de cristal, et qui finalement ne craignent rien, n'ont pas peur des malédictions des Incas, etc., parce que finalement, ils ont une telle foi dans leur propre capacité et dans leur propre recherche qu'ils trouvent ça très, très inoffensif. C'est comme si finalement les règles ordinaires du monde social ne s'appliquaient pas tout à fait à ces savants chez Hergé. Tout à fait. Voilà, ce sont des personnages qui sont un peu hors du temps, qui ont une vraie capacité à se poser des questions et à essayer de trouver des réponses, mais qui en même temps ne sont pas dans leur temps. Ils sont vraiment à côté. Ils ont une voie parallèle et ils croisent de temps en temps. Et c'est ça aussi là, qui fait l'intérêt des albums de Tintin. Ils croisent chemin de Tintin qui vient finalement comme un élément perturbateur essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Alors, il y a une figure qu'on peut sans doute mettre en parallèle à côté de tous ces savants, c'est un personnage, non pas de chercheur, mais une sorte de bibliothécaire refoulé, ce kleptomane qui vole tous les portefeuilles dans, je crois que c'est Le Secret de la Licorne, qui finit par être retrouvé. Et quand on arrive chez lui, quand les Dupont arrivent chez lui, ils constatent qu'il a des rayonnages parfaitement rangés et étiquetés, et qu'en fait, c'est quelqu'un qui suit son propre classement. Et on a là, encore une fois, l'image de documents ordonnés qui finalement est très récurrente dans l'œuvre d'Hergé. Tout à fait. Alors, c'est un personnage assez intéressant, d'abord parce que c'est lui qui va finalement permettre de résoudre l'énigme de la licorne, mais c'est aussi parce que c'est quelqu'un qu'on va retrouver, même si on ne le croise pas, on ne le voit pas, à plusieurs reprises dans l'album. À la fin, donc, on arrive finalement à retrouver sa trace avec des éléments qui sont intéressants, qui sont ceux d'une trace de blanchisseur, dans mon souvenir. Et puis surtout, c'est quelqu'un qui a très très bien organisé les choses. Il a une bibliothèque, ou en tout cas un rayonnage entier de portefeuille. Il ne s'agit évidemment pas de les dépouiller, mais justement, il les documente. On le voit très très bien hein, dans la licorne, comment est-ce qu'il organise tout ça. Est-ce que vous pourriez, lui demande Tintin, nous expliquer ce que tout cela signifie ? Et il a véritablement une pratique d'entomologie quasiment, mais appliquée au portefeuille. Il met une petite étiquette, il met la date, il met le nom de la personne, et puis il y a tous les éléments, et puis la collection entière est classée. On le voit dans la case suivante, toute la collection, je l'ajoute à ma collection. On est vraiment là dans une forme de collectionnite qui va jouer un rôle important. Et de la même façon qu'il y a un autre personnage dans cet album, c'est le professeur, en tout cas le collectionneur, celui qui se présente comme tel, Sakharine. Ivan Ivanovitch Sakharine, donc on retrouve ici le jeu de mots sur le nom, qui lui aussi se présente comme collectionneur et qui essaie d'emmagasiner, ou en tout cas de développer sa collection ici, celle de la licorne. Alors, Le Secret de la Licorne, c'est justement un des albums qui travaille plus la question du temps, des traces, de la recherche, puisque ça associe différentes formes de recherche. Une forme de recherche intellectuelle, que veulent dire ces parchemins, qu'est-ce qu'ils font là, qui sont les oiseaux, une déduction de Tintin pour comprendre que les oiseaux qu'on montre font référence au nom de famille, des antiquaires, les oiseaux, etc. Donc, toute une série de processus déductifs. Et puis, un vrai voyage de terrain avec de l'archéologie sous-marine pour aller essayer de trouver ce dont il est question, ce fameux trésor de Rackham le Rouge. Donc là, on a encore un diptyque, Le Secret de la Licorne, Le Trésor de Rackham le Rouge, qui fait intervenir le motif de la recherche, qui est presque le motif structurant du double album. Tout à fait. Alors, là aussi, c'est un album qui est particulier, en ce sens qu'il est un peu hors du temps, il est atemporel, hein. Il n'y a aucune référence dans le temps, mais justement, on va se transporter dans le temps, puisqu'il y a des allers-retours entre le passé et le présent, et puis dans l'espace, puisqu'on va traverser quasiment la planète pour aller à un endroit et finalement se rendre compte que c'était bien plus près que la solution se trouvait.
On peut peut-être signaler que cette dimension hors du temps, elle s'explique évidemment par le contexte, puisque c'est un album, Le Secret de la Licorne, qui est publié entre 1942 et 1943, et donc Hergé, il a tout intérêt à ce moment-là à s'abstraire d'un contexte très pesant pour proposer de l'évasion, pour proposer quelque chose justement de l'ordre de l'échappatoire aux réalités de la guerre. Tout à fait. Clairement, hein, et d'ailleurs c'est documenté, Hergé propose une évasion par le dessin, une aventure au sens premier par le dessin, à un moment où tout le monde est confronté à des tensions, ou en tout cas des craintes au quotidien, sans doute la peur et puis peut-être la faim, mais voilà, quand on est avec l'album ou le double album d'Hergé, on pense pendant toute la lecture à autre chose, on voyage, on imagine, on vit une aventure extraordinaire, et de fait il se passe énormément de trucs. Alors si on en revient au point qui nous intéressait ici, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait de la recherche de terrain, on est aussi à un moment où, un peu comme dans le diptyque lunaire, Hergé est en quelque sorte en avance sur son temps. L'archéologie sous-marine, ça peut nous paraître comme particulièrement commun aujourd'hui, en tout cas ça se pratique beaucoup. Dans les années 40, évidemment pour des raisons matérielles, c'est beaucoup plus compliqué. Et là on a un truchement, c'est Trifon Tournesol, qui invente un sous-marin de poche pour pouvoir aller au fond des mers et finalement aller repérer un certain nombre de choses. Après, c'est un peu plus classique puisque c'est un scaphandrier qui descend, mais on a ici la découverte ou la redécouverte d'une épave qui se trouve assez peu profondément enfouie pour qu'on puisse aller la visiter et qui permet de résoudre une partie du mystère. Une partie du mystère, sachant qu'il y a toute une partie de la recherche et de la réflexion qui se fait avant d'en arriver là, bien sûr, puisqu'il est d'abord question de manuscrits, et d'ailleurs de deux types de manuscrits qu'on peut peut-être envisager l'un après l'autre. D'abord, les petits papiers qu'on trouve roulés dans les mâts des maquettes, puis les manuscrits familiaux du capitaine Haddock. Alors là, Tintin se fait en quelque sorte presque paléographe, avant que Haddock lui-même ne joue le rôle de celui qui va aller consulter les archives familiales. Tout à fait. Alors là, on est sur deux natures ou typologies documentaires qui sont évidemment très très différentes. Hein. D'abord, il y a une dimension de mystère ou de rébus. Dans les mâts de chacune des trois reproductions de licorne, on retrouve donc un petit papier qui est ici plié, en tout cas enroulé, et qui en tant que tel ne veut rien dire, en tout cas donne des informations, mais qui sont tellement incomplètes qu'elles sont inutilisables. Et c'est seulement lorsque les trois documents sont associés l'un à l'autre, c'est le fameux Eureka de Tintin, qu'on comprend comment ça fonctionne. Au-delà, il y a aussi l'idée que c'est en mettant en commun nos compétences à chacun qu'on trouvera la solution. C'est dans l'union que la résolution apparaîtra. Et donc, ici, il y a les petits papiers. Alors, d'abord, il faut les retrouver au premier sens, donc vraiment mettre la main dessus, puis comprendre qu'il y en a plusieurs, puis comprendre qu'il faut les associer l'un à l'autre, et tout ça, ça participe de la recherche finalement, puisqu'il faut atteindre la complétude de la collection ou du corpus des trois pour finalement avoir l'information. Et être capable aussi de décrypter l'information, c'est-à-dire de comprendre qu'il s'agit de coordonnées, que la série de chiffres au départ incompréhensibles, ce sont des coordonnées, donc il faut être capable d'associer un document à un système de référence hors du document pour en faire sens. Alors, le fait que Haddock soit marin aide sans doute, au moins indirectement, même si ce n'est pas lui qui le dit en tant que tel, mais des coordonnées, des latitudes et des longitudes pour un marin, c'est évidemment plus que facile. En tout cas, ça participe de l'élément de référence général plus clairement que pour quelqu'un qui serait un urbain de tous les jours. Maintenant, Haddock, il a aussi un autre rôle, c'est celui de compléter l'information disponible en allant rechercher dans ses propres archives à lui. Celui qui apparaissait comme un personnage un peu rustre dans le Crabe aux pinces d'or, qui était finalement d'abord et avant tout un marin bougon et alcoolique, se révèle être quelqu'un qui descend d'une lignée de nobles de la royale, donc de la marine de Louis XIV, ou de la marine d'Ancien Régime, et puis il dispose donc d'archives familiales. Alors, elles sont contenues dans le coffre qu'il montre lorsque Tintin vient le voir. Et là, on va y retrouver les différents éléments, finalement, qui participent de la légende des archives familiales. J'entends par là qu'il y a le chapeau qui permet de se déguiser, le sabre d'arbordage qui fait le lien ici entre le passé et le présent, et puis surtout la
particularité de l'ancêtre François de Hadoc. Et puis, il y a donc les documents. Et là, c'est tout à fait exceptionnel puisqu'il met à la disposition de Tintin un document complètement original, complètement inédit, qui sont les mémoires du capitaine ou du chevalier François de Hadoc, et donc qui vont permettre, encore une fois, d'avancer et donc de compléter l'information dont on dispose et qui ne provenait jusqu'à présent que des trois petits billets. Mémoires du capitaine, qui sont donc un de ces égaux documents dont les chercheurs sont très friands. On pourrait dire que si Hadoc était dans le monde réel, ce serait une découverte assez exceptionnelle qu'il fait là. Oui, là, on se précipiterait évidemment sur le document. Une partie de nos collègues voudrait en proposer une édition commentée et ça pourrait constituer un élément fort d'un projet de recherche à part entière, projet éditorial au minimum, et peut-être projet plus large. Hadoc, comme historien de lui-même et de sa famille, c'est quelqu'un qui revit les scènes, et ça donne évidemment lieu à des pages parmi les plus célèbres de l'œuvre d'Hergé où Hadoc se dédouble et se transpose dans le temps. Mais c'est aussi parce que les objets n'ont pas qu'un sens de l'ordre de la recherche intellectuelle, ils ont aussi un sens affectif, ils ont aussi un sens matériel, il peut s'en emparer, il peut à travers eux essayer de revivre l'histoire. Tout à fait, oui. Là, on est véritablement sur le document qui a une puissance d'évocation qui est extraordinaire. On revit les événements, et lui, il les revit très, très intensément. Il est au cœur de l'action. Il est le capitaine ou le chevalier François de Hadoc. Et de fait, alors après, il y a la dimension de ressemblance très forte entre les deux personnages, mais dans une solution de continuité graphique, finalement, on passe de l'un à l'autre sans que ça pose véritablement de problème. Il est tellement convaincant dans la façon dont il raconte ce qui est arrivé à son ancêtre, qu'il est son ancêtre et qu'on le voit à l'image. Avant d'en arriver à l'archéologie sous-marine dont on a parlé, il y a un petit passage archéologique, on va dire plus banal, mais malgré tout, dans lequel Tintin s'illustre de façon très forte, c'est lorsqu'ils sont sur l'île où ils imaginent au départ trouver le trésor après leur navigation. Et sur cette île, eh bien, il y a deux gestes archéologiques, me semble-t-il. Le premier qui est de dégager ce qui resterait d'un canot échoué sur le sable. Et le second, c'est de se confronter avec des restes humains. Alors là aussi, ce sont des choses qui renvoient à des pratiques de recherche. Tout à fait. Alors, de fait, là, en tout cas pour la première partie, je pense ici à la redécouverte du canot, c'est pour le coup un événement inattendu, même plutôt désagréable sur le moment, dans la mesure où il tombe en se prenant le pied, en se faisant relativement mal sur la trace du canot. Donc là, il faut faire toute la pratique. Et d'ailleurs, ils le font relativement dans les règles, si j'ose dire. J'entends par là qu'il ne s'agit pas de déterrer à l'arrache, si j'ose dire, le canot, mais bien de le dégager. Et on voit la forme du canot réapparaître finalement grâce à leur travail d'éblaiement progressif. Et donc, on retrouve ici le canot. Ils respectent plutôt le site, on va dire, on dirait aujourd'hui des archéologues de le faire. C'est ça. Et ce n'est pas du tout des archéologues du dimanche qui feraient ça un petit peu violemment et qui s'intéressent d'abord et avant tout à la découverte, mais ou en tout cas aux documents ou à la pièce qu'on pourrait retrouver. Ils font ça dans les règles, ils font ça en faisant attention qu'on puisse restituer l'ensemble de l'élément. En fait, pour reprendre un élément ou une terminologie archivistique, l'épave, elle est dans son jus, en quelque sorte. Il y a une dimension de respect des fonds, de respect du site qui est ici conservée. Sur la partie anthropophagie, là, on renvoie à, finalement, la découverte de restes humains. Alors, en archéologie, c'est assez classique. Ça fait partie, justement, des éléments qu'on a à notre disposition pour essayer de reconstituer les sociétés anciennes. Maintenant, il y a cette plus-value, en tout cas, cette découverte sur le moment, qui est que, oui, bien sûr, c'est des anthropophages. Et alors là, c'est aussi le rapport à l'altérité. À ce moment-là, il y a eu donc des phénomènes ou des comportements qui sont évidemment tout à fait répréhensibles. Moi, j'aurais tendance à penser que ça participe aussi de la dimension aventure de l'affaire. C'est encore plus, ça rajoute une dimension à un moment où on est coincé chez soi et qu'on ne peut pas bouger. Sachant que là encore, Tintin s'illustre par sa capacité de raisonnement, puisque Hadoc pense que ce sont les restes des pirates tués par l'explosion de la licorne, et Tintin lui répond « Sûrement pas, capitaine, dans ce cas, nous les aurions découverts près du rivage, donc logique implacable. Regardez cette arme, il s'agit plutôt d'indigènes tués au cours d'un combat. » Donc là, il étudie l'objet, il étudie le contexte de découverte et le lieu, l'emplacement des objets les uns par rapport aux autres, et du coup, c'est ça qui permet d'aboutir à une forme de savoir sur le passé. Tout à fait. Oui, là, on a la confrontation des deux hypothèses, et celle qui prévaut, c'est finalement celle qui résiste le mieux à l'analyse, c'est celle de Tintin.
On a dit tout à l'heure qu'ils étaient plutôt respectueux des documents, respectueux du site de fouille, etc. Bon, il y a quand même un moment où c'est pas le cas. Lorsqu'on repêche le fameux coffre de la licorne, là, on y va au pied de biche et on essaye d'arracher la fermeture. Là, évidemment, on ferait pas ça normalement aujourd'hui. Ça provoque dans l'immédiat une forme de déception parce que ce n'est pas le trésor espéré plein d'or et de pierres précieuses, mais évidemment, c'est quelque chose qui est au second degré puisqu'il y a une forme de trésor à l'intérieur qui est un trésor documentaire ou archivistique. À l'évidence, oui, on peut espérer que celui qui trouverait un coffre comme ça n'irait pas aussi violemment essayer de l'ouvrir. Maintenant, ici, il y a une dimension d'urgence aussi, hein. Ils sont au milieu de l'Atlantique. On ne peut pas non plus partir ou revenir à terre, puis revenir sur le site pendant plusieurs mois plus tard pour essayer d'avancer. Donc, il faut finalement maximiser les résultats de la recherche et ça passe par l'ouverture de ce coffre. Alors, on passe sur la dimension tout à fait improbable d'un coffre qui date de l'extrême fin du XVIIe siècle, qui aurait donc passé environ 250 ans dans l'eau et qui est tellement hermétique que les papiers qui sont à l'intérieur ont été conservés. Ça fait partie de la dimension un petit peu particulière de l'aventure. Mais surtout, il y a donc des informations à l'intérieur, des informations qui sont difficiles à décrypter. Et on voit d'ailleurs ici finalement trois catégories ou trois dimensions différentes. Il y a d'une par le capitaine Haddock qui n'arrive pas du tout à comprendre de quoi il s'agit, en tout cas qui ne fait pas l'effort de le lire parce que c'est trop long, parce que c'est trop compliqué, parce que c'est mal écrit, parce que c'est sans doute un petit peu humide et qu'il faudrait faire attention à tout ça. Il y a Tintin qui se lance dans une tentative de lecture, mais qui globalement ne parvient pas à en tirer de l'information parce qu'il veut aller sans doute un peu trop vite peut-être. Il prend pas le temps de trouver l'information. Celui qui s'y colle finalement, c'est Trifon Tournesol, qui lui accepte de prendre du temps pour le faire. Alors, quand on regarde bien l'album, on voit qu'il y passe plusieurs jours d'affilée et qu'il est d'ailleurs lui aussi absorbé par sa recherche, dans la mesure où le bateau a le temps de repartir dans l'autre sens. Donc, on abandonne l'aventure avant que lui-même ne se rende compte que les choses ont été programme a changé et qu'ils disent il y a quelque chose d'autre à en tirer. Et de fait, c'est seulement une fois revenu à terre qu'il découvre effectivement l'information et qu'il donne la réponse à Tintin. Donc on a ici les trois temporalités, l'immédiateté de la découverte, je veux savoir tout de suite de quoi il s'agit, la tentative infructueuse, mais parce qu'elle repose sur finalement une recherche qui est trop rapide, et puis le temps de la recherche, et on sait bien que le temps d'accumuler les informations, de le récontextualiser, de les comprendre et de les mettre en série, ça prend du temps, et ça c'est le rôle de Trifon Tournesol. Ce qui permet de voir au passage que Tournesol a une formation quand même très éclectique, puisqu'il est à la fois astrophysicien, inventeur, capable de déchiffrer de vieux parchemins tel un papyrologue en les collant sur du papier. Et puis, on apprend dans l'album suivant, dans un des albums suivants, qu'il a fait ses études en même temps que l'américaniste professeur Bergamot. Donc, il y aurait sans doute une émission entière à faire sur Trifon Tournesol comme illustration d'un savant polygraphe et tout à fait compétent dans différents domaines. Alors, cet album, trouve le professeur Bergamot, c'est plutôt cette série d'albums, c'est Les sept boules de cristal, le temple du soleil, où là encore, on va avoir une mise en scène extrêmement forte de la recherche, mais cette fois de la recherche archéologique, qui est vraiment montrée comme telle, avec toute une série de problèmes qui font référence. Ce double album, il semble assez évidemment inspiré par les fouilles célèbres qui ont eu lieu, ou les découvertes célèbres qui ont eu lieu dans la jeunesse d'Hergé, et dont il a forcément entendu parler. Tout à fait. Évidemment, là, il y a une référence directe à toute la découverte de la momie de Toutankhamon et l'histoire qui s'est greffée là-dessus, c'est-à-dire le fait qu'une partie significative des membres de l'expédition aurait été touchée par une forme de malédiction et serait mort des suites d'une espèce de sacrilège de l'entrée forcée et de l'ouverture forcée de la momie de Toutankhamon. Si on regarde d'ailleurs bien dans le premier des deux volumes de cet épisode double, il y a une référence directe à cette affaire, puisque dans l'incipit des sept boules de cristal, Tintin lit le journal et c'est son voisin qui lui explique que finalement ça finira mal et qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre des Égyptiens ou des Péruviens et que non, on n'a pas vocation à aller ouvrir comme ça les tombeaux des civilisations lointaines, même sous le prétexte d'une meilleure connaissance.
Il lui dit, cette histoire de momie, souvenez-vous de Toutankhamon, jeune homme. Et donc là, effectivement, ce sont les fouilles d'Howard Carter en 1922. Hergé avait 15 ans. Et on peut penser que c'est quelque chose qui l'a fortement marqué parce que vraiment, ça a été un événement mondial avec un retentissement considérable. Du coup, c'est intéressant parce que, à la fois dans ces cases des premières pages et puis à la fin du Temple du Soleil, il y a tout un questionnement finalement sur qu'est-ce que c'est qu'une recherche disposant d'une déontologie ou d'une éthique, puisque de manière assez étonnante, Hergé arrive à inverser les perspectives. À travers notamment ce personnage de voisin de Tintin qui lui explique est-ce que on aimerait finalement que les Péruviens viennent fouiller chez nous les tombes de nos rois. Mais ça, cette inversion, elle m'a semblé très intéressante. Tout à fait, hein. Il y a une dimension éthique dans la réflexion, en tout cas, pas forcément dans le comportement toujours, mais il y a cette dimension qu'on retrouve d'ailleurs dans la présentation, mais vous l'avez déjà dit dans une autre émission, hein, des musées ou des artefacts qu'on retrouve et qu'on est allé chercher au loin et qu'on retrouve donc, dans les musées ethnologiques, dans les musées d'histoire naturelle. Toute cette dimension-là, c'est comment est-ce que tout ça s'organise? Comment est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on peut? Et on sait qu'encore aujourd'hui, hein, tout le débat autour du Quai Branly et puis à la fin des années 90, tout le débat autour de la restitution des restes humains qui s'est posé. Si on remonte un tout petit peu plus haut, la question de la Vénus Hottentote qui se pose également. Tous ces éléments-là, ils sont finalement en filigrane ici. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on doit finalement aller chercher au loin et surtout rapporter sans tenir compte forcément des éléments culturels ou en tout cas de civilisation, des éléments de chez soi. Et d'ailleurs, dans L'oreille cassée, me semble-t-il, il explique que les givarots, en tout cas les réducteurs de tête, c'est pas forcément ce qu'on pense. Et donc, il y a une espèce aussi de rétablissement d'une espèce de vérité ou en tout cas d'approche. Au-delà, on retrouvera, mais là c'est sur un versant beaucoup plus traditionnel, sur les murs des différents participants à cette expédition, des trophées assez régulièrement, alors plutôt des trophées dits de chasse, mais qui renvoient aussi à la façon dont les Occidentaux finalement s'approprient la nature et le passé de territoires lointains. Oui, ce qui permet d'ailleurs de pas tout à fait croire Tintin sur parole quand, à la fin du Temple du Soleil, il s'adresse à l'Inca. Donc, le grand Inca lui dit, on sait pas trop d'ailleurs en quelle langue il parle, mais peu importe, ces hommes sont venus comme des hyènes pour violer les tombeaux et piller nos richesses sacrées. Et Tintin lui répond, non, ces hommes ne sont pas venus pour piller, noble fille du soleil, ils n'ont eu d'autre ambition que de faire connaître au monde entier vos traditions séculaires. Si on repense bien à tout ce qu'on vient de lire, c'est pas tout à fait vrai, puisque le professeur Bergamote, il avait chez lui une momie, il l'avait en fait pillée. Donc Tintin, ici, il minimise un petit peu la dimension d'appropriation des artefacts d'autres civilisations. Oui, là, il est un petit peu dans un entre-deux. Alors Tintin et où Hergé? À la fois, il y a un goût de l'ailleurs et puis une volonté de comprendre comment ça fonctionne. Et en même temps, ben, il est le représentant de son temps. Hein. Il est aussi le représentant du monde occidental face au reste du monde. Et il justifie donc a posteriori, et là dans un dialogue direct entre lui et le Grand Inca, entre Tintin et le Grand Inca, les pratiques de ses contemporains et des scientifiques qui le font donc au titre de la science et non pas juste pour se faire plaisir. Ce que vous l'avez indiqué, Bergamote, voilà, on est ici à la limite parce que il conserve chez lui cette momie et il en est très très fier. Bon, ceci dit, lui et d'autres l'ont quand même payé dans l'album, donc il y a quand même une forme de justice symbolique qui leur est infligée. Plus largement, on peut se demander dans quelle mesure, au-delà de ces épisodes où vraiment la recherche fait partie de l'aventure, dans quelle mesure Tintin ne dessine pas une forme de portrait du chercheur dans lequel on peut ou pas se reconnaître. Tintin, c'est quelqu'un qui aime bien lire, qui aime les livres. Il est question dans l'oreille cassée de sa bibliothèque lorsque son appartement est fouillé à la recherche de la statue. Une des premières choses que dit Tintin, c'est « Les bandits qu'ont-ils fait de mes livres ?» Alors, vous qui avez travaillé sur les bibliothèques d'historiens, c'est une case qui a dû vous frapper. Tout à fait, oui. Si on regarde la bibliothèque de Tintin, même s'il n'est pas historien, d'abord, c'est une bibliothèque qui compte un certain nombre de volumes et des volumes qu'on n'a pas forcément toujours à disposition. Dans l'oreille cassée, pour bien se renseigner sur les Arumbaya, il ressort le Voyage aux Amériques de Walker 1875. Donc ça veut dire aussi qu'il est à la limite de la bibliophilie, hein. Il a des ouvrages anciens et qui sont quand même assez spécialisés, et il découvre un certain nombre d'informations, il se renseigne de la même façon qu'il l'avait fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, à propos de la Sildavie. C'est d'ailleurs les deux seuls, en tout cas parmi ceux que j'ai repérés, les deux seuls exemples où il est véritablement acteur de la lecture. Il y a souvent des livres autour de lui, mais c'est les deux seuls ou les rares fois où il est véritablement en recherche de documentation ou d'informations complémentaires pour finalement alimenter sa réflexion et sa recherche. Mais si on continue, il y a plein de bibliothèques dans les albums. Il y en a évidemment chez tous les scientifiques qu'on va croiser à un moment ou à un autre. Alors, c'est souvent
du métrage linéaire, si j'ose dire. Hein. Ça fait partie du décor, mais on en retrouve ainsi. Et puis, on l'a dit tout à l'heure, Bergamotte, il a aussi un document, et il en est assez fier, il l'a édité, il a fait un essai sur les traditions des Incas. Et donc, il l'indique ici. Au-delà, ça fait partie donc de la recherche en tant que telle. On se documente avant d'aller véritablement continuer. Et il est évidemment très, très mécontent quand on est venu l'embêter ou qu'on a défait sa bibliothèque, qui de fait est sans dessus dessous. Il y en a des livres partout. L'un des moments où Tintin se sert des livres de la façon la plus intéressante, c'est dans L'Étoile mystérieuse. Alors, on connaît évidemment tout le passif de cet album, avec notamment la première version, et c'est très antisémite, avec le fait qu'il y ait une expédition rivale de celle de Tintin, qui justement est organisée au départ par un financier juif new-yorkais dans le contexte de la guerre. Donc, ça rend tout cela assez déplaisant. Mais il en reste pas moins qu'il y a un passage où, pour égarer Tintin et ses compagnons, un faux SOS est lancé par un navire prétendument en détresse. Et là, Tintin se lance dans ce qu'on pourrait presque appeler aujourd'hui du fact-checking de la fake news décodée, comme le font un certain nombre de journalistes aujourd'hui dans les médias pour vérifier les informations, et comme le font évidemment des chercheurs confrontés à des informations incertaines. Tout à fait. Oui, là, on est vraiment dans le recoupement d'informations. Il est confronté à une submersion, un tsunami d'informations en quelques cases, en quelques minutes ou en quelques heures. Il y a énormément d'informations qui parviennent à la radio du Sirius, et ça participe aussi des règles de la mer. Lorsque on entend un SOS, eh bien, on a vocation, évidemment, à aller secourir le bateau qui est en détresse. Or là, il y a plein de bateaux qui sont comme ça en détresse dans un périmètre relativement étroit et qui ont vocation à détourner le Sirius de sa route. Et à chaque fois que Tintin regarde ça, il est d'abord surpris de leur nombre. Je cite, « Chut, voilà encore un télégramme ». Il essaie de retrouver les informations, et puis quand il comprend que finalement c'est une supercherie, il va se référer à un livre qui est en quelque sorte l'annuaire de l'ensemble des bateaux enregistrés, et il en arrive à la conclusion, le Villa Randa n'existe pas. Que dites-vous, c'est impossible, voyons, dit Haddock, qui est vraiment surpris qu'on détourne ainsi les lois de la mer. C'est pourtant ainsi, capitaine, le bateau n'existe pas, pas plus que la compagnie John Kingsby, qui serait l'armateur. Ses noms ne figurent pas dans l'annuaire de la marine. On nous a envoyé un faux SOS. Voilà, on est vraiment là dans l'ensemble des informations qu'il faut recouper pour vérifier si elles sont vraies ou pas, et on découvre que non, elles ne le sont pas. C'est donc un autre objet qui est poursuivi ici. Et on le découvre grâce à un usuel. On est presque avec quelqu'un qui est dans une salle de référence d'un institut de recherche ou d'une bibliothèque. Là, il est dans la cabine d'un navire, mais il a un usuel sous la main, et c'est ça qui lui permet d'arriver à la vérité. C'est parce qu'il a un point de référence stable dont il sait se servir. Oui, ça veut dire aussi qu'il connaît les outils qu'on peut mobiliser dans ce cadre. D'ailleurs, ce n'est pas le capitaine Haddock qui les mobilise, c'est bien lui. Alors certes, il est dans le local radio où il doit y avoir ces informations qui sont à disposition de l'opérateur, mais il sait qu'on peut finalement, avec un outil de croisement ou recroisement de l'information, déterminer si oui ou non l'information est exacte, ou du moins si elle est crédible. Et là, il se rend compte que c'est faux, ou qu'en tout cas, il y a trop d'informations fausses pour que l'ensemble de l'information soit opérative. Alors ça, c'est sans doute le moment où Tintin démontre, on va dire, une forme de recherche formelle, mais il y a tout un pan de son activité qui est d'ordre plus immédiat, et en particulier, je pense à toutes ces scènes, qui sont vraiment très nombreuses dans les albums, où Tintin décrypte, décode des messages, se penche avec ou sans loupe sur un parchemin, sur un fragment. On peut peut-être en faire la recension, parce que il me semble que c'est un motif extrêmement récurrent, peut-être l'un des plus récurrents dans l'œuvre d'Hergé, cette idée que Tintin, c'est finalement celui qui sait se pencher sur des documents obscurs et en décrypter le sens. Oui, on retrouve, ça participe aussi du processus d'enquête que les scientifiques ou que les sciences humaines partagent avec ici le reporter qui est Tintin avant tout, c'est-à-dire celui de confrontation avec le document, et donc essayer de comprendre ce qui n'est pas immédiatement accessible. Alors, ça passe par l'utilisation de recours à des objets. Vous avez parlé de la loupe, et de fait, on la retrouve à un certain moment, cette loupe. On peut l'utiliser. Alors, c'est un objet véritablement de validation scientifique, hein. Quand on regarde dans le crabe aux pinces d'or, par exemple, et plus largement, dès qu'il est confronté à un morceau de papier qui est difficilement lisible, qui est de petite taille, hop, il sort la loupe, comme le faisait Alambic tout à l'heure, pour bien examiner l'ensemble des documents qui étaient mis à sa disposition. Mais la loupe est un objet de validation
de validation de l'information, en tout cas d'apport scientifique supplémentaire. Mais au-delà, il y a tout un ensemble d'éléments qui renvoient à ces pratiques. Il est là pour développer un certain nombre de réflexes et il est confronté à des énigmes. Alors, on a parlé tout à l'heure des trois petits papiers de la licorne. On est presque là dans une charade, hein. Mon premier dit ça, mon deuxième dit ça et mon troisième dit ça, et c'est seulement lorsqu'on a les trois éléments qu'on peut finalement s'y retrouver. De la même façon, il y a des puzzles qui apparaissent assez fréquemment dans l'œuvre d'Hergé. Je renvoie par exemple à L'île noire où il est confronté à un petit morceau, à une dizaine de petits morceaux de papier, et c'est ça qui lui permet, en reconstituant le puzzle, de lancer l'aventure. Mais on peut également continuer. Il y a aussi la dimension de cryptographe de Tintin qui arrive à comprendre des codes, notamment dans le Lotus Bleu, lorsqu'il écoute à la radio des messages, il comprend finalement que seules les deux premières lettres constituent le sens du message. Donc là, la cryptographie, ça renvoie aussi à tout un imaginaire, hein, qui est celui de l'entre-deux-guerres et de l'espionnage, de romans d'espionnage aussi qui paraissent à cette époque. Donc évidemment, Hergé baigne dans ce milieu et dans ce bain culturel. Et du coup, ça transparaît aussi dans les albums. Tout à fait, oui. Alors, ça renvoie aussi à une autre dimension que vous avez déjà évoquée, qui est le recours à la radio, qui est un moyen de transférer ou de transmettre des informations au loin, et dans le cas de la cryptographie, sans que forcément ça ne soit reconnu ou compris par tous. On a bien un document dans la fin du Lotus Bleu qui donne des informations, mais qui apparemment n'a pas de sens, et c'est évidemment Tintin, grâce à sa réflexion, grâce à sa capacité de voir au-delà de ce qui est apparemment immédiat, qui réussit à retrouver les choses. Prenons les deux premières lettres de chaque mot, et hop, et ça y est, on découvre quelque chose. Alors bon, c'est entre guillemets classique, mais enfin, il faut quand même avoir l'idée de le faire et puis se demander comment ça fonctionne. On retrouve cette dimension de cryptographie, mais de façon beaucoup plus simpliste, dans L'oreille cassée, lorsqu'il retrouve la bonne plaque d'immatriculation de ses opposants, de ses adjuvants. Il s'agit en fait d'une plaque numérologique qui a été inversée. Donc là, c'est l'effet miroir qui joue ici à plein. Il y a aussi quelque chose qui relève du roman policier classique, lorsque, par exemple, dans Les Sept Boules de Cristal, Tintin se penche sur des traces de pneus pour les comparer et comprendre qu'il y a eu un échange de voitures. Et puis, dans ce même album, Tintin arrive à reconnaître le chapeau de tournesol qui a été piétiné, jeté en bas d'un escalier. Il arrive à comprendre, autrement dit, il arrive à retrouver à travers un objet matériel non parlant, il arrive à faire un raisonnement. Et toute cette étude de Tintin sur les traces, les indices, ça m'a fait penser évidemment à l'article célèbre de Carlo Ginzburg sur traces, signes, pistes, racines d'un paradigme indiciaire, puisqu'il montre dans cet article que les sciences humaines ont une manière de raisonner qui ne peut pas être celle des sciences dites dures ou exactes, puisqu'elles fonctionnent par récapitulation foudroyante, intuitive à certains moments, à travers des indices correctement interprétés. Donc là, on est finalement presque dans ce paradigme indiciaire que Carlo Ginzburg avait exploré. Tout à fait, oui. Alors, je ne sais pas, moi, j'ai jamais lu que Hergé est un lecteur de Ginzburg ou inversement, mais à l'évidence, il y a chez Tintin une capacité à repérer des choses qui sont de l'ordre du microscopique, en tout cas de l'indice, du tout petit, et de reconstituer un certain nombre d'informations à partir de là. C'est quelqu'un qui observe les traces, observe des micro-éléments et des micro-éléments et qui va pouvoir reconstituer les choses. Dans le même album que celui que vous citiez, on voit Tintin qui reconstitue quasiment avec la trace la marque la marque des pneus, mais également grâce à une trace de peinture sur un arbre, quasiment le modèle de la voiture et la couleur évidemment de la voiture. Donc finalement, on a tous les éléments pour arrêter la voiture un peu plus tard, ou en tout cas tenter de l'arrêter. On sait que c'est une Opel, qu'elle porte des pneus Dunlop et on sait qu'elle est jaune. Et tous ces éléments-là, finalement, se synthétisent dans le travail de déduction de Tintin. Un travail de déduction qu'on trouve aussi dans Les Bijoux de la Catafiore, lorsqu'il examine les pas en bas de la jardinière de fleurs qui pourrait avoir amené quelqu'un à pénétrer au sein de Moulinsart, mais qu'on retrouve aussi dans Coq en stock, lorsqu'il arrive à comprendre que le mot coq sur un fragment, d'ailleurs qui rappelle étrangement le fragment du crabeau pince d'or et du carabou de Jean, c'est la même forme de bout de papier triangulaire fragmentaire, eh bien ce mot coq, il est en fait un nom de code pour désigner les esclaves. Donc là encore, une capacité à aller au-delà des apparences et à saisir que des documents ont d'autres sens, que
de documents ouvre des sens. Et en cela, bah, effectivement, c'est un bon modèle de chercheur, même si, on l'avait dit au cours d'une émission précédente, Tintin n'a pas la patience pour être un anthropologue ou un ethnologue. Et comme vous l'avez dit, c'est plutôt Tournesol qui a cette patience du chercheur. Mais tout ça mis ensemble, finalement, ça dessine un portrait assez éloquent de processus par lesquels on peut procéder à des recherches. Avec parfois un effet un peu Deus ex machina, hein. La fin des bijoux de la Castafiore, où il comprend que l'émeraude a été volée par la pie, ça sort parfois un tout petit peu du chapeau, mais ça participe justement de cette compilation d'informations qui convergent finalement vers une solution, une hypothèse, et qui finalement se trouve être la bonne, puisqu'il monte à l'arbre, il retrouve l'émeraude, et tout l'enjeu de cet album un peu particulier que sont les bijoux de la Castafiore se trouve résolu par sa capacité de déduction. Alors, il y a sans doute encore d'autres éléments qu'on n'a pas abordés. Je pense à l'égyptologie, à laquelle il y a beaucoup de clins d'œil dans les cigares du pharaon et qui relève évidemment aussi des sciences humaines. Mais on voit à quel point c'est une œuvre effectivement traversée par ces questions de la recherche. On aura l'occasion d'en reparler en évoquant les scientifiques, côté plutôt physique, astronomie, etc. Merci beaucoup Mathieu de Oliveira pour ces éclairages. Avec grand plaisir. Merci de nous avoir écoutés, rendez-vous sur le site paroledhistoire.fr pour tous les compléments ainsi que la bibliographie de l'émission, et à très bientôt pour de nouvelles histoires de Tintin.